Bonjour. Jour 17 de ce temps de l'Avent. Nuance. Un jour, je demandais à François... J'observais plutôt, je lui disais, tiens, là tu as mis du bleu. Et il a souri. Il m'a dit, de quel bleu tu parles? Sur sa palette, il m'explique alors qu'il a 24 bleus différents. Le peintre a ses nuances, qui nous invitent à la nuance. Il y a quelques jours, Lola avait des crayons, un nuancier de crayons que je n'avais jamais vu. Une boîte, moi j'avais une boîte de crayons, avec un certain nombre de crayons, je trouvais déjà que j'en avais beaucoup. Bah évidemment, j'en avais peu compte tenu des possibilités des nuances de chaque couleur. Pour chaque couleur, elle avait plusieurs crayons qui correspondaient. Elle avait tout un nuancier. C'était magnifique. Et je me suis rappelé que pour nous aussi, pour les humains, il y a toute une palette d'émotions. Et pourtant, souvent, je n'en dévoile ou je n'en développe que certaines, sans nuance, brutalement, que ce soit extrême d'un côté ou extrême de l'autre. Aujourd'hui, je vous invite à la nuance. Alors, si vous êtes peintre, ben, vos nuances de couleur, de peinture, si vous dessinez vos nuances de crayon. Et si vous osez aller dedans à vos nuances émotionnelles, peut-être aujourd'hui s'autoriser à ne plus voir quelqu'un ni tout noir ni tout blanc. Peut-être s'autoriser à rentrer dans la danse du Tao, souvenez-vous ce symbole yin-yang, où au cœur du noir il y a du blanc et au cœur du blanc il y a du noir. Je vous invite aujourd'hui à la nuance dans ce jour présent, pour vous, pour les autres et dans la vie. Belle nuance à vous. Bonne journée.